à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés qui arrivent un petit peu tous les jours. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul action. Eh oui, j'avais vu les promotions sur la chaîne du monde de Hannah, sur l'application, et il y a deux choses qui m'intéressaient et je suis revenue avec je ne sais pas combien de choses, mais j'ai les choses pour lesquelles j'y suis allée. C'est-à-dire, en premier, c'était en promotion une petite table à repasser comme ça. Elle fait 73 par 31. Elle a des pieds. Alors, je vais quand même enlever le plastique pour vous montrer. En plus, elle se pend, c'est bien, je vais vous montrer. Parce que moi, pour le repas, d'abord, je repasse pratiquement jamais rien de mes vêtements, puisque ça ne se repasse pas. Et quand je reçois par exemple des petits trucs de Timou, des vêtements, là j'en ai justement que je dois repasser, eh bien ça c'est bien de le faire en haut, de ne pas sortir la centrale vapeur, à sortir la planche qui va avec, enfin bref, voilà. Donc là vous avez, vous voyez, des pieds, hop, vous le mettez comme ça, et en avant vous repassez. Alors, moi, j'ai trouvé ça hyper bien. Elle va monter donc à l'étage. Et ici, pour l'attacher, vous avez une petite anse de cintre, comme ça. Alors, j'ai trouvé ça super. Au début, je voulais prendre la bleue, puis je me suis dit, non, il n'y en restait qu'une comme ça. C'est hyper joli. Et donc, ben, j'ai pris celle-ci. Voilà. Donc, ben, ça va me servir. Et donc, la seconde chose pour laquelle je suis allée, c'est Action. Alors, il est plein, mon sac. Je vais vous montrer. Ah, j'ai le ticket là. Alors, j'arrive pas à l'enlever. Ah, attendez. Ah, voilà. Ah, non, je ne vais pas l'autre fois t'enlever. Ah, aidez-moi, aidez-moi. Il ah, y a quelque chose qui a coulé. Oh merde. Ah, il y a quelque chose qui a bien coulé. Ah la vache. Alors, j'y suis allée donc. Pour ça, vous voyez pas, c'est le fer à repasser. Alors je vais aller chercher tout de suite un petit chiffon. Voilà. J'espère que c'est pas trop grave ce qui a coulé. Je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Allez, je fais le ménage. Voilà. Voilà, c'est un fer à repasser sans fil. Alors ça, c'est le complément donc, qui va avec ça. Ça va aller en haut. Et je refais mon petit repassage avec ça. Alors j'espère que ça fonctionne bien. Voilà, je vais. C'est garanti 3 ans. Alors je vais. Alors évidemment, je vais prendre le petit couteau. J'arrête pas de me lever du coup. Le petit couteau qui va bien, qui coupe bien. Ah, j'ai failli prendre le grand couteau pour vous faire scream. J'ai pris le petit. Ça fait pas scream. Alors, bon, pourquoi j'arrive pas? Décidément, j'ai pas de bol aujourd'hui. Voilà. Alors, je découvre avec vous. Hop, 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 hop. Alors, on a la notice. On a pour mettre de l'eau. Ça sent bon. Et on a donc le fer. Il est magnifique ce fer. Hein. C'est pas. Regardez comme il est beau ce fer. Oh, il est magnifique. Ça, c'est tout cuivré rose. Enfin, vous savez, comme les bijoux, c'est de rosé. La semelle est super bien. C'est la marque Beldray. Voilà. Donc, vous avez le pchit. Voilà, vous branchez au secteur. D'accord. Et comment on fait pour... Et on le tourne. Comment on fait pour le sortir du socle? Je ne sais pas. Normalement, ça se sort du socle. Alors, est-ce qu'il y a un bouton? Oui, il y a un bouton. Voilà, déverrouiller. Hop. Et voilà. Et comme ça, on peut repasser sans avoir le fil qui nous gave. Bah écoutez, c'est génial, hein? On le remet, on verrouille. Voilà.
pendant qu'il chauffe, une fois qu'il est chaud, tac. Ah non, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, est-ce que c'est ça? Là, il y a... Ah ben là, c'est le pchit, d'accord? Le pchit. Voilà, et vous mettez l'eau par là, en fait. Ah ouais, il est trop, trop bien. Et vous réglez, donc, mini, vapeur, et puis, ben, vapeur, voilà. Non, mais c'est super bien. Oh, il est bien, je ne regrette pas, franchement. Moi qui ai horreur du repassage, c'est Serge qui repasse, parce que il n'y a que lui qui a des fringues à repasser. Moi, bon, il ne s'en passe jamais. Et donc, du coup, ben, j'aurai mon petit truc là pour repasser. En fait, quand vous recevez des vêtements de chez Timou, moi, les vêtements que je choisis, c'est toujours en synthétique. On donne un petit coup de fer, on le lave et ensuite, il n'y a plus besoin de repasser du tout, quoi. Oh, non, mais c'est génial. Voilà. Oh, trop bien. Allez, je suis très contente de mon achat. Voilà. Alors, je vais vous dire le prix parce que j'ai pas envie de faire un montage. Et ouais, des fois j'ai pas envie, vous voyez. Alors, la planche à repasser, c'est de la même marque que le fer à repasser. Elle est à 6,95 €. Et le fer à vapeur est à 19,95 €. Donc, vous voyez, c'est quand même hyper raisonnable. Alors, du coup, j'étais à Action. J'en ai profité, bien évidemment. Il y a des trucs... Je vais tous les rayons. Hein. Alors ça, moi, je fais tous les rayons. Ça me fait du bien. On est allé d'abord chez Lidl. On est rentré 11 h. J'ai déchargé les sacs. Serge a rangé. Et j'ai dit, je vais chez Action. Donc, dans les promotions, j'ai pris ça. J'avais dit à Serge, on va le prendre. C'est un kit pour les tableaux effaçables, vous savez. Voilà, donc ça, nous, on s'en sert tout le temps parce qu'on marque nos menus de la semaine. Et là, il commence à être un peu abîmé, donc je verrai un petit peu. Je crois que je vous mettrai les prix comme je fais d'habitude. Parce que là, si à chaque fois, vous allez attendre le prix, ça ne va pas le faire. Donc, je vous mettrai les prix comme je fais habituellement. Voilà, donc ça, j'ai dit à Serge, je l'achète parce que c'est hyper, hyper pratique. Qu'est-ce qu'il y avait en promo? Il y avait ça en promo. Les faux ongles. Alors, ce n'est pas ceux que j'aime, parce que en fait, ils sont opaques. Alors, ils sont opaques, mais pas assez. Parce que s'ils étaient opaques, bien opaques, on pourrait mettre des ongles un petit peu crème. Alors, j'hésitais entre les deux formes. Vous voyez, j'ai la forme carrée, comme ça. Moi, c'est toujours carré. Et il y a la forme un petit peu en arrondi. Eh bien, j'ai dit, prends les deux. Prends les deux. Ils étaient en promotion à, je regarde quand même, 1,99 €. Alors, je vais... Voilà, il y a la colle aussi. Ah, il y a la colle, peut-être elle est bien. Hein. Donc, il y a la petite boîte. Il y a la petite boîte. Voilà. Hop, alors, je ne sais plus combien il y en a. 216. Alors, je vais voir parce que c'est des ongles courts. Alors, bien évidemment, ça ne va pas aller. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont plus courts que mon ongle. Il faudrait que je me coupe les... Ah non, mais c'est en hyper court, il y a le bourrelet de la peau. Attendez, c'est pas possible. Bon, bah écoutez, je m'en servirai pas. C'est ballot, hein, mais... Alors, j'arrive pas à en prendre un, là, comme... Ah non, ils sont hyper courts. Ah ouais, ils sont hyper courts, quoi. Là, je le mets comme ça. Bah, je sais pas, je verrai. Quand j'enlèverai ceux-là, je verrai... Parce que il y a la petite colle, donc on va écouter, je sais pas. On verra bien. Donc si les autres ils sont aussi courts que ça, ça va être galère. En même temps, je peux certainement peut-être retourner pour leur dire que ben, ça va pas. Alors, évidemment, il y a la notice qui gêne pour enfoncer. Voilà. On va la mettre comme ça. Là. On va mettre ça comme ça. Parce qu'il y a l'anse de la boîte qui ne rentre pas. Ah ben là, d'accord, c'est l'anse qui va passer par là. Ah d'accord, ça sort par là. Et voilà. Voilà. Et les autres, alors ben, je vais regarder les autres. Hop. J'espère quand même qu'ils sont un petit peu plus longs. Ça ne fait pas, on va voir. Hop, voilà,
Waouh, ils ont l'air quand même beaucoup plus longs. Je crois que c'est pile poil ma taille. Eh ouais, mais c'est la forme qui va pas du coup. Ils sont trop petits ceux-là. Bon, ben, je pense que ni l'un ni l'autre vont aller parce que même les plus gros, ça va pas. Bon, là, j'ai un faux ongle. Donc là, ça devrait aller. Mais comme j'ai ma main droite qui est plus forte que ma main gauche, ça devrait peut-être aller, mais ça part bien en arrondi, c'est-à-dire sur les deux côtés des ongles. Et il faudrait que je les lime bien comme il faut. Donc, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Est-ce que j'ai fait une bêtise en achetant ce machin-là? Parce que, évidemment, je ne pouvais pas l'ouvrir dans le magasin. Hop, on remet la petite anse là. Ah ben, dis donc, c'est compliqué, là. Voilà. Il y a peut-être un sens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Donc, ça, ben, c'est un coup pour rien, ma foi. Je pense. Ensuite, ben, j'ai pris ça pour Serge. Pour les tâches, ça a coulé, c'est ça qui a coulé. Ah oui, ah ouais, carrément, il est pas vissé. Est-ce que ça se dévisse d'abord? Non, ça se dévisse pas. Bon, mais je sais pas, ça coule par là. Ah là là, il y en a plein. Ah non, ça n'en est pas plein. Bon, enfin bref. J'ai acheté donc du vanish. Pour les tâches, quand je vous dis que moi j'ai un problème tout le temps, je suis chat noir. Voilà, donc on testera parce que j'ai jamais utilisé. Dans la série rose, mais c'est pas vanish. Oh, il y en a partout, mon Dieu, il y en a partout. Ah là là. Voilà, donc je ne sais pas celui-là qui a coulé. J'ai pris le produit. Ah là là. J'ai pris le produit pour les vitres de la marque Pink Stuff. Voilà. Mais c'est pas ça qui a coulé. Ça y est, c'est bien sec. Voilà. Donc je testerai puisque c'est marqué The Star Drop The Pink Stuff The Miracle Window. Voilà. Donc bah, écoutez, avec du vinaigre à l'intérieur. Alors ensuite, il faut que je m'attende à... Ah, c'est coulé là. J'ai repris ça, Angel, vous savez. Ça sent pas dans le sac comme... Alors j'en ai déjà mis dans le linge, mais bof. Mais par contre, ce que je veux faire, c'est que je vais les mettre peut-être dans un petit récipient. Hop, que je mets, joli, que je mettrai dans un coin, dans une pièce. Et ça sentira hyper bon. Alors j'en ai repris un en cas qu'il n'y en ait plus. Et du coup, je vais tester aussi l'autre parfum qui est Blossom Sincero. Ça sent bon aussi, hein, ça sent vachement bon, hein, ça sent très bon. Alors, je rappelle que ce sont des parfums pour les lessives, hein, à mettre dans le compartiment assouplissant. Ce ne sont pas des perles, ce n'est pas de l'assouplissant, c'est du parfum. C'est donc un liquide un peu gel à l'intérieur. Ensuite, bah, j'étais dans ça, j'ai... Oh, putain. J'espère que ça n'a pas traversé. Il y en a là, ça coule. Ouais, il y en a un peu. Bon, j'espère que les nouilles, elles ne vont pas être parfumées au je ne sais pas quoi. J'ai repris les nouilles parce que moi, je les ai goûtées. Hein, je vous avais fait voir. Oh là là. Je vais le passer à l'eau. Voilà, j'ai pris donc poulet. Et j'ai pris, par contre, j'ai pris celui-là, je n'avais pas vu que c'était épicé. C'est certainement du édition limitée, Korean Ramen Style. Voilà, je les ai bien aimés, ceux-là. C'est un petit peu plus cher que ceux à 30 et quelques. Ceux-là, ils sont, je vais quand même vous dire, mais bon, je le marquerai, à 44 centimes. Et quand j'avais goûté, j'avais trouvé très bon. Il y a deux sachets, enfin, dans le poulet, il y avait deux sachets d'épices avec voilà, c'était, moi je me suis régalée. Ensuite j'ai racheté de ça, on sait jamais, parce que là la boîte déjà elle est passée quoi. C'est des tuiles, hein, c'est tout fin, on en prend deux et puis voilà. Là j'ai entamé le Colgate de la dernière fois, donc ben, j'en ai racheté un, le Max White là.
Ça, c'est quoi? Ah oui, j'ai pris ça dans les promos aussi. C'est pour laver le lave-vaisselle. Voilà, c'est un nettoyant. Et en dernier, c'est tout ce que j'ai pris. Ouais, ben j'ai repris de ça parce que quand j'y suis allée, il n'y en avait plus. Et là, il y en a revu, il y en avait. Donc, j'ai pris deux top coat, donc qui catalysent à la lumière LED parce que c'est sans résidus. C'est pour ça que je l'ai pris. Et j'ai pris deux base coat. Voilà. Donc, ça, c'est hyper pratique. Bon, la base, on s'en fout qu'il y ait du résidu ou pas, parce que de toute façon, on va mettre un vernis par-dessus, un vernis gel. Par contre, le top coat, je vais vous dire, hein, eh ben, c'est super bien qu'il n'y ait pas de résidu gras dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il y a de poulet dans mon sac? Ah non, je ne vois pas. Hein. Attendez, ah, si, c'est un peu mouillé, mais pas plus que ça quand même. Non, ça doit être le truc, là, le détachant, je pense. Ça doit être ça. Parce que je vois que c'est mis de traviole. Alors, je vais étudier ça ben, tout à l'heure, hein, toute seule. Voilà. Allez, je mets ça comme ça. Je prends une photo pour la vignette. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai été quand même raisonnable. Ah, mais j'ai pas mis le fer à repasser, là. Voilà. Allez, je reprends la photo. Toc, on voit pas bien que c'est un fer à repasser. Voilà. Et moi, je vais tester tout de suite parce que... alors, cette vidéo, elle paraît donc dans la foulée. Aujourd'hui, nous sommes le... Alors, le 29 août. Donc, vous la verrez vers 18h à peu près. Et... qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai reçu un colis Timou. J'ai fait le déballage et tout, donc vous verrez la semaine prochaine. Et donc, j'ai des vêtements et je vais repasser mes vêtements avec ce fer à repasser en haut, donc à l'étage. Et sur la table à repasser, là, que vous voyez, voilà, que je vous ai montré. Voilà, ben c'est fini pour ce petit haul de chez Action. J'ai été raisonnable, hein, je trouve, il n'y a pas plus que ça. Le plus cher, c'est le fer. Après c'est la petite, mais c'est bien. Par contre, ce fer et cette planche à repasser, c'est hyper bien pour les étudiants ou enfin je sais pas, moi je trouve ça bien. Moi c'est pour repasser des petites pièces, hein, c'est pour repasser les petits hauts que j'ai à repasser, donc voilà. Voilà, donc je vais maintenant vous laisser. Je vais faire le montage de la vidéo avec les prix, bien évidemment. Par contre, je vous mettrai, alors normalement c'est prévu pour le mois de septembre. Je vous mettrai ma nouvelle intro et ma nouvelle intro et pour la sortie, vous savez, la fin de la vidéo. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Non, mais Catherine, quand même. Bon, bref, je vous mets la nouvelle parce que j'ai passé du temps à la faire. Je la trouve sympa. Vous me direz ce que vous en pensez et vous la verrez. Alors, dans les vidéos qui sont programmées, il y a mon ancienne intro et tout. Dans celle du Hall Timou, il y a la nouvelle intro. Et donc, à partir du mois de septembre, vous aurez que la nouvelle intro. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.